Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Ministère public compte Monsieur Cécile Raphaël Lavard, Monsieur Alpha Madoubaldé, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur Claude Pivi, Monsieur Moussa Kegoro Kamara, Monsieur Ibrahim Kamara dit Kalonzo, Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dadis Kamara, Monsieur Mamadou Aliou Keïta, Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, Monsieur Ouri Bailoba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Aujourd'hui, on va entamer l'audition des témoins. On va appeler un seul et le reste, c'est-à-dire tous les autres témoins qui sont présents dans la salle, vont sortir de la salle pour aller prendre place dans une salle qui est déjà réservée pour accueillir les témoins. Comme ça, on va les appeler au fur et à mesure. Est-ce que M. Thibault Kamara est dans la salle? Venez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec votre permission, tout à l'heure, Monsieur le Président, à l'appel des accusés, je ne sais pas si vous avez constaté, mais vous avez prononcé le nom du colonel Claude Pivi et il n'y a pas eu de réponse. Je m'attendais quand même à ce que le tribunal interroge le parquet sur la situation du colonel Claude Pivi, qui est non présent dans la salle. Alors, Monsieur le Président, vu que votre juridiction s'apprête à auditionner les témoins dans cette affaire et qu'il y a un des accusés, Monsieur le Président, qui est absent ou qui est non présent dans cette salle, je voudrais poser cette problématique puisque les questions vont sûrement concerner mon client, le colonel Claude Pivi, les témoins qui vont défiler devant votre barre, Monsieur le Président, à la barre de ce tribunal, vont sûrement mentionner le nom du colonel Claude Pivi, qui est non présent. Et Monsieur le Président, il vous souviendra que le colonel Claude Pivi, ainsi que les autres accusés dans ce box, pour la plupart, est venu se constituer prisonnier à la veille du 28 septembre 2022, démarrage bien entendu de ce procès. Alors, il se trouve que Monsieur le Président, honorables assesseurs, le colonel Claude Pivi n'est pas dans le box ce matin au démarrage de ce procès ou à la reprise de ce procès, si vous voulez. Monsieur le Président, j'aimerais savoir où se trouve le colonel Claude Pivi à date, mon client. Et je vous saurais gré de bien vouloir poser cette question au ministère public qui a reçu la constitution de prisonnier de mon client, colonel Claude Pivi, qui n'est pas présent cette matinée dans la salle de ce procès du 28 septembre. Alors, tenant compte, Monsieur le Président, des témoignages qui vont être faits à la barre de ce tribunal, et pour le respect du principe du contradictoire, Monsieur le Président, j'estime qu'on ne pourrait pas continuer dans ce procès si vous ne prenez pas les dispositions. S'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur le Président, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous voulez savoir si... Vous voulez savoir où se trouve votre client? C'est ça la problématique. Monsieur le Président, je voudrais mettre à votre connaissance
que mon client n'a pas répondu à l'appel ce matin. Vous l'avez déjà dit, voilà. Je veux qu'on aille rapidement. En plus, Monsieur le Président, permettez-moi de continuer. Permettez-moi. Monsieur le Président, n'étant pas dans la salle, et il est accusé dans ce procès, il y a des témoins qui s'apprêtent à venir déposer dans cette salle. Et il sera sans aucun doute concerné par ces témoignages. Alors, je vois très mal la continuation de ces dépositions tant que le ministère public n'a pas mis tout en œuvre pour ramener mon client dans la salle. Quelle est la problématique? Donc, la problématique est que mon client n'est pas là, il ne pourra pas être à même d'entendre les témoignages qui seront déposés ici pour préparer sa défense. Alors, vu que l'avocat ne fait qu'assister, vous le savez, je ne vous apprends rien, mon client devait être dans la salle, dans ce box, pour entendre ce qui se dit ici et par la suite préparer sa défense avec son avocat. Alors, étant donné qu'il n'est pas dans la salle, Monsieur le Président, il serait très difficile de continuer la déposition des témoins dans cette affaire. Je vous prie donc de demander très respectueusement au ministère public qui a reçu mon client et qui l'a conduit à la maison centrale de Conakry de le ramener, d'assurer la représentation de mon client dans ce procès. Je vous remercie. Notre problème touche une question de droit liée à l'audition des témoins. Il vous souviendra de constater qu'avant l'ouverture des débats, le 28 septembre 2022, certaines parties au procès avaient communiqué la liste des témoins à auditionner. Je voudrais, sous votre surveillance, sous votre bienveillance, que nous puissions faire la part des choses. Nous avions reçu certaines citations avec une dizaine de personnes qui devraient être entendues en qualité de témoins, en application des dispositions de l'article 390 du Code de procédure pénale. Mais à notre fort étonnement, parmi ces personnes citées d'ailleurs figure bien entendu le témoin qui comparaît par devant votre juridiction, qui a été cité dans les règles de là. Mais un autre fort étonnement, cela d'ailleurs en violation des dispositions de l'article 401 du Code de procédure pénale, la partie civile a fait citer des personnes qu'elle qualifie maladroitement de témoins, alors qu'elles ne le sont pas. En matière criminelle, nous n'avons pas à l'enseigner à qui que ce soit ici dans cette salle. La citation des témoins obéit à une procédure réglementée à l'article 390 du Code de procédure pénale que je peux, avec votre permission, lire. Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé. L'accusé notifie au ministère public et s'il y a lieu à la partie civile, 72 heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qui désirent faire entendre en qualité de témoin. Ce qui veut dire que seules les personnes visées dans la citation qui a été servie au moins 72 heures avant le 28 septembre 2022, peuvent être entendus ici en qualité de témoins, parmi lesquels le ministre Thibault Camara. Mais en dehors, Monsieur le Président, nous voudrions bien vous prier de bien vouloir rappeler à cette partie civile que les personnes autres que celles objet de la citation que vous avez au dossier ne peuvent être entendues ici en qualité de témoin. Je sais, Monsieur le Président, en application des dispositions de l'article 401 du Code de procédure pénale,
Vous avez le pouvoir discrétionnaire d'entreprendre en votre honneur, en votre conscience, toutes les mesures que vous croyez utiles pour la manifestation de la vérité. Et que de ce fait, en application de cette même disposition, la loi dit que vous pouvez, au cours des débats, appeler au besoin par mandat d'amener ou entendre toute personne ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui vous paraisse, d'après le développement donné à l'audience, utile à la manifestation de la vérité. Et l'alinéa dernier de cet article est très clair. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne seront considérées que comme de simples renseignements. Donc, pour l'heure, nous aurions bien voulu qu'on aille de façon méthodologique. Vous avez des personnes qui ont été citées dans les règles de l'art. Permettez qu'on entende ces personnes-là, à commencer par M. Thibault. Mais les personnes autres que celles qui ont fait l'objet de la citation dont je fais allusion ne pourront être entendues que sur votre décision. Sinon, il n'est permis à aucune des parties de se substituer au tribunal pour faire comparaître ici des personnes en qualité de témoins. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, à la suite de mon distingué confrère, Maître Pepe Antoine Lama, et je voudrais indiquer au tribunal, à Monsieur le Président du tribunal principalement, qu'il est le maître de cette cérémonie, qui n'est pas n'importe quelle cérémonie, qu'il est le maître de ce grand théâtre. Lorsqu'il y a des violations, ces violations doivent être sanctionnées. Parce que, au finish, c'est vous qui allez signer, prendre la responsabilité de signer la décision qui découlera de ce procès. Moi, je m'attaque à l'acte du parquet, intitulé à tort, signification des témoins cités, signification à tort, signification des témoins cités par le parquet. Comme l'a indiqué tout à l'heure mon distingué confrère, mon problème est très simple. L'article 390 qu'il a visé tout à l'heure indique clairement que ce soit maintenant dans la liste, ou ce soit sur l'exploit, les noms, prénoms et professions des témoins doivent apparaître. On ne doit pas banaliser encore une fois ce procès. Lorsque vous prenez l'exploit qui aurait dû indiquer les noms, l'exploit n'indique aucun nom, l'exploit de l'huissier. Or, l'article 390 indique clairement, à l'alinéa 2, l'exploit doit mentionner les prénoms, noms, professions et résidences de ses témoins. En lieu et place d'une citation, c'est une signification de la liste des témoins. Et quand on va au-delà, Monsieur le Président, ce qui est très grave, il y a des noms qui n'apparaissent pas. Lorsque vous prenez la liste, le numéro 20 par exemple, sur la liste de Monsieur le Procureur, des personnes, des témoins dont les noms, il indique lui-même, les témoins dont les noms ont été révélés au cours du débat. Comment le nom d'un témoin peut être révélé au cours du débat ici et que ce nom ne soit pas mentionné dans la liste? Que Monsieur le Procureur parle du commissaire spécial de police de Dixin, Terrasse, ou son adjoint au moment des faits. Aucun nom. Mais c'est dangereux. Ou que Monsieur le Procureur parle du commissaire central de police de Bellevue ou son adjoint au moment des faits. Nous voulons avoir des noms parce que ces personnes
peuvent charger nos clients. C'est pourquoi, à l'entame, avant que le premier témoin ne commence à déposer, nous aurions souhaité avoir ses noms. Parce que c'est la loi qui l'impose. L'article 390 est complété par l'article 417. Je donne lecture. Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et s'il y a lieu par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Nous n'avons aucun nom. Nous n'avons pas les noms de ces personnes. Donc, c'est pourquoi je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir demander au ministère public de revoir. Parce que cette citation-là va être annulée. Vous devez avoir au dossier des documents propres. Cela y va de l'intérêt de toutes les parties à ce procès. À défaut d'annuler purement et simplement l'exploit, Monsieur le Président, je vous prie de demander au ministère public de bien vouloir revoir sa liste. Si ces personnes-là qui ne sont pas connues, ces témoins qui ne sont pas connus, que le ministère public veuille bien retirer ces personnes-là. Parce que ces personnes doivent être connues avant que le premier témoin ne prenne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à cette phase, je pense bien qu'on aurait dû commencer par faire application des dispositions des articles 417 et 418 du Code de procédure pénale. Nous sommes à une phase intitulée par le législateur du Code de procédure pénale, section 5, de la production et de la discussion des moyens de preuve, Monsieur le Président. L'article 417 dispose que le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. L'huissier de service fait l'appel de ses témoins. Monsieur le Président, à cette phase, le tribunal criminel aurait dû commencer par nous donner la liste des témoins appelés par toutes les parties. Et ces listes-là sont versées au dossier de la procédure. Et ça, c'est bien avant l'ouverture, Monsieur le Président, de ce procès. Nous y avons procédé. Les parties civiles l'ont fait, le ministère public l'a fait, Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article 390. Ce sont ces témoins-là qui doivent être entendus ici, pas d'autres témoins. Cette liste de témoins qui a été fournie par le ministère public après la comparution, Monsieur le Président, des victimes dans ce procès, cette liste-là doit être écartée. Elle n'est pas en regard des dispositions de l'article 417, une liste qui doit être examinée ici. Monsieur le Président, cette liste doit être écartée. La liste dont il est question, c'est celle qui a été notifiée aux parties bien avant l'ouverture du procès, 72 heures avant, comme l'exige le législateur. Ce n'est pas après l'ouverture. Donc cette liste doit être écartée. Nous sommes dans un procès criminel. Le respect des règles de procédure doit être démis, Monsieur le Président. Donc que cette liste-là soit écartée, que le tribunal puisse, à travers le greffier, nous donner la lecture de toutes les listes des témoins qui ont été servis conformément aux dispositions de l'article 390, parce que c'est conformément à ces dispositions
et rien qu'à cette disposition que les témoins doivent comparaître dans cette salle. Ensuite, Monsieur le Président, il y a une question importante qui se pose dans ces procès. Et elle touche d'ailleurs non seulement, Monsieur le Président, à la sécurité des témoins, mais aussi cette question que j'entends soulever touche aussi à la crédibilité des témoignages qui seront faits à cette part. Alors, vous avez l'article 418 qui dispose, et ça tient au fait que ce procès est médiatisé et ça risque de fausser l'objectif, l'ambition du législateur. L'article 418 de notre Code de procédure pénale dispose. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est décidée. Il n'en sort que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toute mesure utile pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Monsieur le Président, vous voyez, les témoins vont comparaître. Vous avez plusieurs témoins qui vont comparaître. Est-il possible, il y en a déjà qui se sont retirés dans une salle, comme la loi le prévoit, et sur et votre décision. Mais la question que l'on se pose, alors est-ce que le tribunal criminel est à même d'entendre tous les témoins aujourd'hui? Et si le tribunal n'est pas à même d'entendre tous les témoins aujourd'hui, est-ce que les témoins ne vont pas conférer entre eux? Parce que ce procès est médiatisé. Les témoins seront à même de suivre ce qui sera dit dans cette salle. Et seront à même d'orienter leur éventuelle déposition en fonction de ce qu'ils vont suivre. Alors, dans ces conditions, Monsieur le Président, pourquoi ne pas faire application d'une loi qui a été récemment adoptée en prévision de ces procès? Et cette loi prévoit l'existence d'un dispositif adapté en pareille circonstance pour éviter que les témoins confèrent, mais pour éviter aussi que les témoins comparaissent en visage découvert et que cette situation soit une insécurité pour ces témoins. Monsieur le Président, voilà autant de questions que nous entendons soumettre à votre autorité. Mais aussi, Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans parler du 4 novembre qui s'est invité dans ce procès, Monsieur le Président. Le 4 novembre, où un commando armé a fait une descente, une irruption à la maison centrale et est parvenu avec beaucoup plus de facilité à y sortir des accusés. Mais Monsieur le Président, si avec une telle facilité, on a pu accéder à la maison centrale, qu'est-ce qui garantit la sécurité des acteurs de ce procès? Que sommes-nous les avocats, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui garantit notre sécurité? Nous sommes acteurs dans ce procès, au même titre que vous, que vos deux assesseurs, au même titre que le ministère public et ses substituts, au même titre que ces greffiers, qui ont tous aujourd'hui à leur disposition des agents qui assurent leur sécurité. On en voit d'ailleurs derrière vous, Monsieur le Président. Nous n'en avons pas, nous les avocats de la défense. Nous n'en avons pas, nous les avocats des partis civils. On n'en a pas, Monsieur le Président. Or, cette question de sécurité se pose avec acuité. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la sérénité des débats dans ce procès? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour permettre à tous les avocats d'accomplir leur mission en toute sécurité? Là, la question est posée. Je pense qu'elle mérite une réponse. Je vous remercie. J'en ai terminé. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, je ne vais pas répéter ce que mes brillants et talentueux confrères ont déjà dit publiquement, solennellement, ont d'ailleurs très bien dit. Donc je ne me permettrai pas
pour cette raison de répéter les différentes dispositions déjà citées, parce que je suppose que nous sommes dans une salle d'audience, que nous sommes dans un procès criminel et que les acteurs que nous sommes, magistrats, président audiencier ainsi que assesseur, parquet, le ministère public représenté par le procureur de la République ainsi que ses substituts, l'ensemble des avocats ici présents, que ce soit de la partie civile ou de la défense. C'est pour cette raison donc que je ne vais pas citer cette disposition parce que je suppose que chacun d'entre nous, professionnels que nous sommes, nous savons exactement ce que c'est qu'un procès criminel, quelles sont les conséquences liées. Nous n'avons pas la même manière, Monsieur le Président, de communiquer. Ça n'a rien à voir avec votre manière de communication. Mais alors, on veut savoir ce que vous voulez rapidement. C'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je suis en train de faire, Monsieur le Président. J'ai besoin de commencer quelque part pour finir quelque part. Alors laissez-nous nous expliquer, Monsieur Allez-y, le Président. Maître. Rassurez-vous que je vais y aller. Et je vais aller, Monsieur le Président. Malheureusement, c'est plutôt vous qui m'avez interrompu. Alors, vous pouvez continuer, vous n'êtes pas dans vos plaidoiries, mais je l'ai fait avec d'autres. Donc, allez-y rapidement pour qu'on sache ce que vous voulez. Comme il n'y a rien de autres. Personnel, Monsieur le Président, laissez-moi communiquer. Absolument rien de personnel. Allez-y, maître. Ce procès, il est médiatisé, je suis un avocat. Allez-y, maître. Alors, laissez-moi continuer, Monsieur le Président. Alors, j'étais donc en train de dire que nous sommes dans un procès criminel qui est d'ailleurs médiatisé et que nous devons faire très attention. Ce procès n'a pas commencé aujourd'hui, même si nous sommes maintenant là au niveau de la phase de la production des preuves. Vous saviez autant que nous autres que le témoin constitue l'oreille, pour ceux qui ne font pas du droit, l'oreille de la justice, les yeux de la justice, parce que ce sont eux qui viendront vous donner la relation, le récit de ce qu'ils savent des circonstances de la commission des faits pour lesquels nous sommes ici. Alors, lorsque à l'entame de ce procès, une liste a été produite, des témoins ont été connus, nous ne pouvons pas, en cours de procès, changer cette liste. Première chose. Deuxième chose, Monsieur le Président, en le faisant, nous attaquons un principe sacro-saint du procès pénal, surtout criminel. Ce sont les droits de la défense. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle l'acte qui a été fait par l'huissier relativement à la communication de la liste du parquet doit être déclaré nul et de nul effet. Encore une fois, en matière pénale, les règles sont d'interprétation stricte. Les règles sont d'ordre public. Lorsque quelqu'un l'a touché, le ministère public, dans l'empressement, indique, par exemple, qu'un commissaire spécial de police doit être entendu. Je veux vous rappeler la notion de nom. Pourquoi le nom est un élément obligatoire? Pourquoi sans le nom, l'acte doit être déclaré nul? Parce que le nom, Monsieur le Président, est un attribut de la personnalité à côté du domicile, de l'état civil et de la nationalité. Et le nom, il comprend le prénom ou les prénoms, il comprend le nom de famille qu'on appelle nom patronymique, il peut comprendre le pseudonyme ou le surnom. Voilà les quatre éléments. Lorsque ces éléments n'existent pas,
dans un acte que l'on prétend produire dans un procès aussi médiatisé, aussi important, ces actes-là doivent être déclarés nuls et de nul effet. Alors, comme le trou l'a signalé, Monsieur le Président, je vous prie, sur la base de ce qui est déjà dit, de déclarer déjà ces actes nuls. Mais sur un autre registre, Monsieur le Président, puisque un confrère en a parlé, je sais que votre souci, c'est la sérénité de ce procès. Je sais que c'est le souci de toutes les parties. Je sais qu'à un moment donné de ce procès, lorsque le ministère public s'est vu menacé, il avait pris la parole ici, publiquement, solennellement, et il avait dit: les avocats que nous sommes, Monsieur le Président, sommes menacés. Les avocats que nous sommes, Monsieur le Président, sommes dans une insécurité totale. Certains voient tous les jours ou les nuits des véhicules autour de leur domicile. On ne sait pas pourquoi. Certains sont menacés d'enlèvement. Chacun le sait. Or, si un avocat ne peut pas exercer son sacerdoce de manière libre, il n'est donc pas indépendant. Si l'avocat n'est pas indépendant, il n'y a aucun barreau indépendant. Si le barreau lui-même n'est pas indépendant, nous parlons de l'indépendance de la justice, ce sera une chimère. C'est pour ça, Monsieur le Président, et au-delà de cela, les avocats sont, et là c'est à l'attention du procureur de la République, n'ont pas accès à leurs clients. Nous commençons un procès aussi important, une phase aussi importante qui devrait nécessiter que l'on prépare nos clients. Mais les avocats n'ont pas accès à leurs clients qui sont détenus à la maison centrale. Je le sais parce que j'y étais le samedi passé où j'ai vu, et je le dis publiquement, des procureurs fouillés à qui on a demandé de déposer des téléphones ainsi que des enquêteurs. Si ceux-là ne sont pas épargnés, ça se complique. Ça se complique. Alors, les avocats empêchés, s'ils ne peuvent exercer librement, il va être très, très compliqué que le procès se tienne très sereinement. Parce qu'actuellement, la maison de détention qui constitue le domicile de nos clients, en tout cas moi, de mon client, le président Dadis, où on doit pouvoir le rencontrer, où on doit pouvoir le recevoir, est rempli plutôt de forces spéciales, plutôt de gendarmes que de gardes pénitentiaires. Alors même que légalement, il appartient à la garde pénitentiaire d'assurer la sécurité au niveau de la maison centrale. Et à supposer même que cette garde pénitentiaire devienne défaillante, Monsieur le Président, ce n'est pas parce qu'un avocat n'est pas compétent ou il est défaillant qu'on va le remplacer par un forgeron. Ce n'est pas parce qu'un médecin est défaillant qu'on va le remplacer par un menuisier. Il faut plutôt trouver les moyens pour assurer cette sécurité. Nous attirons donc votre attention. Nous attirons l'attention du parquet. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale. Nous attirons l'attention de l'opinion internationale devant les médias que nous sommes menacés et nous n'arrivons pas à travailler sereinement parce que tout simplement, et si cela devrait continuer, en tout cas en ce qui concerne la défense de Dadis, nous serons obligés de suspendre notre participation si des mesures n'étaient pas prises. Parce que nous voulons bien le défendre, oui, mais nous voulons le défendre en toute sérénité. Voilà donc ma réaction par rapport à la discussion sur l'audition des prétendus témoins, mais également, Monsieur le Président, sur ce qu'est la sécurité des avocats qui sont quand même des acteurs essentiels d'un procès pénal. Je vous remercie. Honorable membre de ce tribunal criminel, je commence là où les confrères ont terminé. Moi, je ne veux pas de garde-corps. Voilà, c'est simple. Je ne veux pas avoir un surveillant. J'ai une profession libérale. Aucun surveillant ne sera dans ma voiture. Donc, les garde-corps communiquent avec l'autorité. Il faut savoir les conséquences de ça. Nous sommes avocats dans l'âme. On doit exercer avec le risque de notre métier. Mais quand vous êtes affecté, on vous affecte des gardes-corps, s'il vous plaît, vous êtes sous surveillance.
faut éviter. On devait se concerter même avant de poser la question ici publiquement. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement de n'entendre personne comme témoin dans cette affaire désormais pour violation de l'article 417 et 418. Monsieur le Président, on a eu souvent à faire l'amalgame entre l'audience correctionnelle et l'audience criminelle. J'ai eu la chance d'avoir la notification le 23 septembre 2022 de la liste fournie par la partie civile des 10 témoins. Il s'agit de M. Mamadou Konté, Alcine Camara, Mamadou Moukhtar Ba et autres. Et celui qui est présent ne figure pas sur la liste, M. Thibault, l'ancien ministre. Et selon l'article 390, la liste-là doit être notifiée 72 heures avant l'ouverture d'un procès criminel. La partie civile a effectivement fourni la liste. Mais les conséquences, c'est quoi? À l'article 417, les confrères ont fait déjà la lecture, après avoir été rappelé par M. le greffier, l'huissier de service fait appel de ses témoins. Est-ce qu'un huissier audiencier a été dans cette salle pour faire appel à ses témoins, les 10 cités par la partie civile? Non. Et dès lors qu'on appelle les témoins, on vient à l'article 418. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ça, c'était à l'ouverture du procès. Est-ce que les témoins cités là ont été appelés par l'huissier audiencier et on les a retirés dans une salle prévue à cet effet? Non. À partir de là, sur Facebook, sur TikTok, tous les témoins ont suivi les mêmes événements. Ils ont entendu l'audition des accusés, des parties civiles. On peut les appeler témoins? Nous sommes en matière criminelle, les charges sont lourdes. On ne viendra pas accompagner aussi nos clients pour les faire supporter des peines, parce qu'il n'y aura plus de sincérité de ces témoins. Ces témoins n'ont pas été appelés à l'audience, à l'ouverture de l'audience, et les faire retirer. Et l'article 418 est clair, en son alinéa 2, ils n'en sortent que pour déposer. Ça fait un an. Est-ce que les témoins-là devraient être isolés pendant un an? Ils n'en sortent que pour déposer, depuis l'ouverture du débat. Quand l'huissier va faire appel, ces témoins viendront s'arrêter ici et on va les isoler dans une salle. Ils ne peuvent en sortir que pour déposer. À partir du moment où ça n'a pas été observé, nous sommes en matière criminelle, on n'est pas au correctionnel, on passera outre. En tout cas, on ne peut plus les appeler témoins. Et votre honneur, le président prend, s'il en a besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux. Même si on va les faire isoler dans une salle, on doit les isoler au point que les deux témoins ou trois ne peuvent pas communiquer entre eux. Est-ce qu'on a pu isoler les témoins pendant un an pour les empêcher de conférer, de témoigner, de communiquer? Sur le fondement de l'article 423, votre honneur, la loi qui nous confère le droit, toute partie peut s'opposer à l'audition d'un témoin et vous avez la souveraineté de trancher. Je vous prie, sur le fondement de l'article 423, c'était peut-être à titre de simple renseignement, mais qu'on ne peut plus appeler dans cette salle témoin. C'est la loi qui vous donne ce pouvoir à l'article 423. Sur ce, je vous prie de constater que même la liste des témoins donnée par la partie civile n'a pas obéi. Il n'y a même pas un huissier audiencier dans la salle ici. Je vois le confrère DS qui est en train de rire. Ce sont des vices de forme qui sont des moyens efficaces de cassation. Je m'en remets à votre sagesse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Maître Béa, vous avez un micro devant vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Moi, mon problème se situe au niveau de la liste fourni par le parquet.
Je vois ici, dans la rubrique, des témoins qui ont été cités au cours des débats. Au numéro 15, je vois le colonel Ouriba, je pense communément appelé Baouri, commandant du PM3 au moment des faits. Je pense qu'en plus du colonel Baouri, ici et au cours des débats, il avait été révélé que le colonel Gabriel Tamba, Gabriel Diawara, c'est lui qui avait succédé au colonel Ouriba. Et que d'ailleurs, c'est lui qui avait mené les démarches pour que mon client, le colonel Ibrahima Kalonzo, puisse recouvrer sa liberté parce qu'il était en détention pendant les événements. Il a confirmé, même par voie d'huissier, ça a été versé dans le dossier. Donc j'aurais souhaité que le parquet rajoute ce nom sur sa liste, sur le président. Je vous remercie. Donc les confrères ont développé tout à l'heure et les dispositions relatives à l'audition des témoins. Moi, je pense, Monsieur le Président, que la procédure est carrément écorchée. Depuis ma première intervention à cette audience, je vais solliciter que les témoins sortent de la salle. Je l'avais dit depuis très longtemps. Mais il n'y a que la publicité de cette audience et surtout que la presse intervient, il est difficile de croire en ce que les témoins n'ont pas suivi tous les débats, monsieur le président. J'aurais même demandé tout à l'heure qu'il y ait un huis clos par rapport à ça. Mais il se trouve que, monsieur le président, déjà, on a faussé depuis le départ, en tout cas relativement aux témoins. Moi, je crois que la comparution de ces témoins ici n'a pas de crédibilité dans ce dossier. Même à titre de simple renseignement, je crois bien. Les dispositions des articles 418 en font largement foi. Qui se retire ou qui ne se retire pas, ils savent déjà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut entendre tous ces témoins aujourd'hui? À défaut, ils vont conférer entre eux. C'est clair, monsieur le président. C'est ça mon inquiétude. Nous voudrions bien qu'on mène bien à cette procédure. Mais il se trouve qu'il y a des défaillances au niveau de la procédure. Beaucoup de défaillances. En tout cas, en ce qui concerne les témoignages. Voilà mon point de vue. Monsieur le Président, en deux mots, vous vous souviendrez que lors de l'interrogatoire de colonel Ibrahima Camara di Kalonzo, nous avons présenté une demande relative à la comparution des noms que nous avons cités. Et ce, en application de l'article 401 du Code de procédure pénale. Ce jour, le tribunal a promis de donner une suite à cette demande, mais simplement nous a demandé d'attendre qu'en temps opportun, une décision sera prise. J'ai été en partie heureux de voir dans la liste fournie par le ministère public la rubrique relative au nom révélé au cours des débats, le nom du colonel Baouri. Sauf que nous n'avons pas, comme a dit Maître Salifou Béavogui, le nom du colonel Tamba Gabriel Diawara. Monsieur le Président, et nous avons exposé ce jour les motifs et les circonstances qui ont empêché monsieur le colonel Ibrahima Camara di Kalonzo et sa défense de respecter les dispositions de l'article 390 relative aux formalités à accomplir en matière criminelle relativement à la notification de la liste des témoins. Nous pensons aujourd'hui que, conformément à l'article précité et l'article 401 du Code de procédure pénale, qu'il vous plaise
ordonné la comparution du colonel Tamba Gabriel Diawara. Vous l'avez certainement remarqué et entendu. Notre client a tenu à vous préciser qu'il a été libéré au moment où le colonel Tamba Gabriel était en activité. Donc, Monsieur le Président, en le faisant, vous aurez continué à conférer à M. Ibrahima Camara di Kalonzo son droit le plus entier quant à la défense, quant à sa défense. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sur les autres griefs développés par les distingués confrères, il vous appartiendra, après bien entendu, avoir examiné les dispositions des articles 418, 417, 418, 422, 423 du Code de procédure pénale, il vous plaira de prendre une disposition et des décisions les plus saines dans cette affaire. Je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions de la défense. Beaucoup de questions ont été soulevées. En l'occurrence, ils ont donné lecture des articles 390, 417, 418, 423 du Code de procédure pénale. Ils ont également parlé de nullité des actes de citation. Aussi, ils ont parlé de l'évasion intervenue au niveau de la maison d'arrêt. Ils ont posé le problème de sécurité. Et enfin, ils ont parlé de la comparution d'autres témoins. Monsieur le Président, pour répondre à ces différents problèmes qui sont soulevés par la défense, nous allons vous dire tout de suite qu'ils ont donné lecture de tous les articles du Code de procédure pénale, sauf l'article 422. Ils ont sauté cet article-là parce qu'ils savent que le problème qu'ils soulèvent, c'est cet article-là qui résout. L'article 422, Monsieur le Président, les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction. Même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Je pense, Monsieur le Président, par rapport à la comparution des témoins, les débats sont clos. L'article 422 est clair. Même si les témoins qui doivent comparaître ici n'ont pas comparu devant le pôle des juges d'instruction, le tribunal a la possibilité de les recevoir ici, recevoir leur déposition. Aussi, Monsieur le Président, nous pensions ce matin qu'on aurait bien remercié le ministère public pour les diligences qu'on a eu à accomplir pour réussir la comparution de ces témoins. Parce que nous avons élaboré une liste des témoins à la date du 26 octobre. Dès le 27, on a remis cette liste-là à un huissier qui a rencontré individuellement les différents conseils des accusés et qui a procédé à la signification et nous a fait retour de ces différents exploits. Monsieur le Président, lorsque vous lisez les différentes cédules qu'on a eu à élaborer, également les exploits qui ont été faits par l'huissier, vous vous rendrez compte que le ministère public s'est conformé à l'esprit de la loi. Aussi, Monsieur le Président, ce qu'il faut préciser, ils ont dit que sur la liste, il y a certains témoins dont les noms ne sont pas précisés. Mais ils doivent tout de suite comprendre que c'est seulement la liste qu'on a eu à leur signifier et non des cédules. Donc, sur cette liste-là, il y a des personnes qui étaient à des postes bien précis. D'ici le passage des témoins, des premiers témoins qui vont comparaître,
le ministère public va s'évertuer à ce que ces autres témoins-là soient connus et également leur adresse complète va être répertoriée et nous allons faire des cédules conséquemment pour qu'ils comparaissent aussi pour dire leur part de vérité. Aussi, Monsieur le Président, ils ont parlé de leur sécurité. Je pense qu'il n'appartient pas au ministère public d'assurer la sécurité d'un avocat. Cette question aurait dû être posée ailleurs. En tout cas, ce que nous savons, Monsieur le Président, notre travail consiste à poursuivre, à faire les diligences pour que l'audience se tienne. Mais il ne nous appartient pas, nous, de suivre individuellement chaque avocat partout où il se trouve. Aussi, Monsieur le Président, par rapport à les difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à la maison centrale, je pense que cette autre question ne doit pas être posée ici. On doit plutôt s'adresser à l'administration pénitentiaire. Il y a un directeur de l'administration pénitentiaire. Lorsque vous avez des difficultés pour accéder à vos clients, je pense que les avocats dont s'agit doivent se diriger vers l'administration pénitentiaire qui, certainement, a pris toutes les dispositions parce que ce qui est arrivé, on n'a pas besoin de commenter. C'est tout le monde qui a vécu cela. Je pense que si la sécurité est renforcée au niveau de cette maison carcérale, Monsieur le Président, nous pensons que c'est tout à fait normal. Aussi, ils ont parlé de nullité, la nullité des actes de citation. Monsieur le Président, il n'y a pas de nullité sans grief, il n'y a pas de nullité sans texte de loi. Monsieur le Président, je pense que cette question également ne pourrait prospérer. Je pense qu'en résumé, ce qu'ils ont eu à dire, nous pensons, Monsieur le Président, que des manœuvres sont en cours pour empêcher l'évolution de ce procès. Mais ça, c'est sans compter sur votre détermination, la volonté de votre tribunal pour faire éclater la vérité dans cette affaire. Je vous remercie. Monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur les dispositions de l'article 390 que les conseils des accusés ont bien voulu utiliser pour vous demander d'écarter purement et simplement les citations des témoins. Motif pris de ce que, comme l'a précisé mon collègue, on a indiqué que les fonctions de certaines personnes et pas leur nom ou leur pronom. Je m'empresse de vous dire que ça, c'est sur la liste qui a été produite. Mais les citations elles-mêmes sont, ma foi, parlantes. Quand vous prenez la citation à témoin concernant M. Thibaut Camara, c'est bien indiqué. M. Thibaut Camara est né le 4 novembre 1973 à Dinguiray. Il y a bien sa filiation, qu'il est journaliste, et il est domicilié au quartier Kipé dans la commune urbaine de Ratoma. Ils font une confusion entre la liste et l'exploit. Le législateur, à l'article 382, a parlé de l'exploit au second alinéa de cette disposition, en indiquant que l'exploit doit mentionner les prénoms, noms, professions et résidences de ces témoins. Je viens de vous donner lecture de la citation de M. Thibaut Camara, où ces noms, prénoms, professions et domiciles sont clairement indiqués. Vouloir vous demander d'écarter, M. le Président, une telle série de citations, qu'ils vous disent en filigrane ce qu'ils veulent. En tout cas, le législateur, en s'exprimant ainsi, n'a pas mis un focus sur la liste produite, mais plutôt sur l'exploit en lui-même, qui, les exploits qui vous sont communiqués sont réguliers aux yeux de la loi. Je vous remercie. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Moi, j'ai une proposition de solution à soumettre au tribunal par rapport au problème posé par la défense. Je souhaite
que les témoins dont les noms figurent déjà sur les listes préalablement signifiées 72 heures avant l'ouverture de ce procès, que ces témoins soient entendus ici en qualité de témoins. Je souhaite également que les témoins qui ont comparu devant le pool des juges d'instruction, donc qui ont été entendus, que ces derniers soient entendus devant ce tribunal comme témoins, parce que rien ne s'y oppose. Ceux-là, dont les noms ne figurent ni sur la liste ou sur les listes préalablement signifiées, ni sur les listes des témoins qui ont comparu devant le pool des juges d'instruction, soient entendus par votre tribunal à titre de simple renseignement. Sur la question de la sécurité des avocats, je pense que ce sont les avocats de la partie civile qui doivent se plaindre aujourd'hui. C'est un accusé qui est au dehors avec un commando efficace. Nous avons martelé les faits, des faits graves contre cet accusé. C'est nous qui avons peur aujourd'hui pour notre sécurité. Ce n'est pas vous, les avocats de la défense. C'est nous autres qui avons peur pour notre sécurité, puisqu'on n'a pas manqué de signaler que parfois, beaucoup d'entre nous sont suivis de la salle d'audience jusqu'à domicile et parfois jusqu'au cabinet. Donc, mais je n'en disconviens pas que la sécurité soit assurée pour tous les avocats et en même temps pour les magistrats, Monsieur le Président. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour donner notre position par rapport à l'opposition faite par la défense à la déposition des témoins ce matin. Monsieur le Président, cette opposition soulevée par la défense s'est axée sur deux éléments. Le premier élément, c'est la supposée absence de notification ou de signification de ces témoins préalablement, conformément à l'article 390. Et le second élément, c'est la supposée absence de nom. Ceci dit, Monsieur le Président, je voudrais, même si le parquet a déjà emprunté notre chemin, tout d'abord faire lecture de cette disposition de l'article 390, pour être plus précis, qui dit ceci. Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé. L'accusé notifie au ministère public, s'il est allié à la partie civile, 72 heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'il désire faire entendre en qualité de témoin. L'exploit doit mentionner les prénoms, noms, profession et résidence de ces témoins. Voici donc la prescription de l'article 390 concerné. La question qu'on se pose, Monsieur le Président, c'est de savoir, lorsqu'un témoin n'a pas été cité conformément à cette disposition-là, est-ce que ce témoin peut faire déposition? La réponse, c'est l'article 422 dont le parquet a fait cas. Cette disposition dit ceci. Les témoins appelés par le ministère public ou les partis sont entendus dans le débat même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Cela veut dire, Monsieur le Président, que c'est l'exception qui est posée là, Monsieur le Président. C'est l'exception. Donc c'est le texte qui a indiqué, c'est-à-dire l'article 390, que les témoins doivent être cités 72 heures auparavant, et c'est la même loi qui dit que même si ces témoins n'ont pas été cités conformément à cette disposition-là, ils peuvent
valablement faire déposition, Monsieur le Président. Donc, pour nous, le problème est résolu. Dès lors que la loi dit que cette disposition-là peut ne pas être observée et que les témoins déposent, Monsieur le Président, nous pensons que ces témoins-là, il est essentiel qu'ils déposent. Parce qu'il faut savoir qu'un témoin n'est pas pour une partie. C'est quelqu'un qui vient porter à la connaissance du tribunal ce qu'il connaît de l'affaire, Monsieur le Président. Je ne vois vraiment pas pourquoi on s'opposerait à sa déposition parce qu'il n'aurait pas été cité conformément à l'article 390. Il est évident qu'on s'interroge sur la question de savoir est-ce qu'une personne peut déposer devant le tribunal sans qu'on ne connaisse son identité, même si cette personne est un témoin, Monsieur le Président. Sur cette question, l'article 424 est là pour apporter la lumière à votre tribunal. Cette disposition dit ceci. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leur prénom, nom, âge, profession, leur domicile ou résidence. Cela veut dire que, Monsieur le Président, même s'il y aurait sur cette liste-là les témoins dont les adresses ne seraient pas exposées, vous avez le pouvoir, et d'ailleurs c'est une nécessité, c'est d'ailleurs un formalisme que vous observerez, j'en suis sûr, vous allez leur demander de décliner leur identité. Cela veut dire, Monsieur le Président, sur la base de l'ensemble du développement que j'ai fait, Monsieur le Président, qu'il s'y est de bien vouloir, Monsieur le Président, rejeter l'opposition formulée par la défense à la déposition des témoins et autoriser à ces témoins-là de bien vouloir déposer. En le faisant, Monsieur le Président, je pense que vous aurez une nouvelle fois fait une saine appréciation de la règle des droits. Je vous remercie. L'audience est suspendue. Vous pouvez rejoindre votre place d'abord. Souffler.